Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Younes et Myriam. Faites pas attention, j'ai un gros giga bouton de fièvre ici là. En tout cas, aujourd'hui, vidéo assez particulière. Ils vont réaliser leur rêve, ils vont faire un 24 heures. Ils mangent seulement Uber Eats toute la journée. Est-ce que t'es contente, Myriam? Ouais. Mais par contre, il y a une dinguerie. Younes, ce matin, il nous a pas réveillé pour le petit déjeuner. Mais vous avez 25 ans, je dois vous réveiller. Vous êtes du coup, ce qu'on lui a dit, vu qu'il nous a pas réveillé, il va devoir ramener un giga Uber Eats pour tout le monde dès tout de suite là. T'es serein ou pas? Je suis pas serein parce que tout le monde, normalement, c'est que nous trois, lui, ramène des abonnés, frère. On va ramener des abonnés parce qu'il nous a pas réveillé. Il fallait nous réveiller. On est bien arrivé. Yassine, il m'a ramené grave des gens, cet enfoiré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il y a des nouveaux. Venez-vous, vous a jamais vu. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Ludovic. Ludovic? Moi, c'est Yel. J'ai 11 ans. Okay. E2, c'est deux jumeaux. Donc, E2, c'est deux jumeaux. Yel et Yel. J'ai ramené des petites agrémentations. Yes. C'est des mecs. Vous êtes en ramadan, les gars? Ça, c'est vrai? Dans quelques mois? Tu peux en prendre 24? Ce que tu veux. C'est pas fini. Là, par contre, chez Ramdan, il aime bien. Donc, Est-ce que c'est à la pomme? Non. Ils ont fait eux dans le temps. T'aimes bien la pomme? Bon, t'as un grand, t'as un grand. Non, après, un grand. T'as un grand. Dis, voilà, t'aimes bien la pomme? Non, j'aime pas. Ah, Suji, Suji. T'es pas normal. C'est le moment de grossir. C'est le moment de grossir, c'est l'hiver. On a pas oublié un truc là. Quoi? Myriam! Bon, Younes, ce clochard, il a oublié de vous donner des trucs. Tenez, les gars, choisissez votre choix. Il y en a deux, vous en prenez. Il y en a trois, vous en prenez deux. Tu vas te calmer. Bien, bien. Maintenant, qui va faire le plus gros croc? Vas-y, commence. Il n'y a pas de gros croc. Ok. Merci, merci. Lui, c'est Rafik Mobile. Il faut l'appeler Rafik Mobile. One hour later. Bon, je vais commander sur Uber Eats. Est-ce à ton avis, c'est quoi? Pizza. Ouais, c'est une pizza. Tacos, tacos. Donc c'est une pizza, les gars, une pizza. Non, je rigole, c'est un tacos gratiné. Est-ce que tu sais ce que c'est, Younes, un tacos gratiné? Oui, je sais très bien. Déjà, on a ça, chocobon, c'est au chocobon. Parce que pour la fin, ce sera pour le dessert. Alors, un tacos gratiné, Myriam. Putain, Yacine, t'as des gros bras, hein. Waouh, je suis choqué. Ouais, j'ai fait de la musculation. Donc, un tacos. Regardez, il a une tête d'enfant avec des gros bras, c'est grave marrant. J'ai une tête d'enfant? Attends. Younes, tu veux un tacos gratiné? Mais moi, il y a rien dans le sac. Tu veux, Younes? Il y a rien dans le sac. T'es sûr? Il y a rien dans le sac, non? Comment? Mon tacos, il est dans le sac. T'as pas de tacos, toi? Comment ça? J'ai commandé que pour Myriam. Vas-y, retourne le sac. Donc, regardez-moi ça, la famille. Bien, tu peux zoomer, tu peux zoomer. Tacos gratiné avec des lardons de halleuf. Regardez, je vais retourner le sac. Avec des lardons de halleuf. Regarde. Yacine, mon tacos, il est où? T'en as pas, je t'en ai pas commandé. Mais pourquoi? Parce que toi, ça y est, t'es un maxi halleuf, faut laisser les autres un peu. Vas-y, je vais m'en faire un. Donc, Myriam, tu vas le tester, tu vas me dire ce que t'en penses. C'est quoi ça? C'est du maxi halleuf. Ça sent pas les pieds qui puent. Je sais pas si ça pue. C'est un tacos aux pieds qui puent. Vas-y, tu peux goûter, tu me dis si t'aimes bien. Je dis bismillah. Première fois de sa vie, elle va goûter ça. Goûte, tu me dis si t'aimes bien. Oh, le maxi croc, elle a pas pleuré. Hein. En fait, ce qui me fait rire avec Myriam, c'est que quand elle croque, elle a pas le goût dans la bouche, elle fait ça. C'est-à-dire, goûte avant. C'est bon, mais ça pue. Ça a le goût de quoi? Ça a le goût du lardon et du. Comment ça s'appelle? Il y a des frites, ça se voit dedans, il y a des frites. Ouais. Dedans, je dirais, il y a des nuggets. Ok. Ah, elle est trop forte. Par contre, interdit, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Interdiction de partager avec Younes. Ok? Quoi? Okay. Quoi? C'est quoi ce clin d'œil là? Y'a rien. Non mais t'inquiète, je vais m'en faire un de toute façon. Allez, on va attaquer le dessert. Donc ça, c'est un tiramisu, c'est la première fois que j'en vois un au chocobon. Les tiramisu, c'est dégueulasse, non? C'est extra bon. T'aimes bien les tiramisu? Bah oui. Est-ce que vous êtes... Bon, dis encore une fois ça, tu vois. Est-ce que vous êtes team tiramisu ou pas team tiramisu? Moi, je trouve ça dégueulasse. C'est comme si tu prenais de la crème fraîche et tu mangeais de la crème fraîche. Là, je prends une claquette dans la tête. Hein. Arrête. Ça, c'est les desserts des Walid. Tous les Walid. Si je vais au paradis, Inch'Allah, je vais manger ça toute la journée. En plus, je pourrais même pas grossir. Yes. Tous les Walid, ils mangent ça. Les Walid, putain. Allez, goûte. J'ai des trucs dans la bouche. La crème fraîche. T'aimes bien la crème fraîche? Le bon quoi? Maxi croc. Waouh.
Vas-y, go. Une vraie hell-love comme Younes. Mais elle, elle maigrit, elle grossit pas. Parce qu'elle est en pleine croissance. J'ai vu un truc qui disent que ceux qui sont en pleine croissance, tout ce qu'ils mangent, ça leur est bénéfique. Oh la chance. Et quand t'es plus en pleine croissance, après tu grossis. Profite, hein. Te jure, profite. Y a pas de nature. C'est pas la nature des gens, n'importe quoi. Hein. Mais c'est pas la nature des gens, je suis désolé. Hein. C'est quand t'es petit, il y a un âge, quand t'es petit de minuit, je starte là, de 0 ans à peu près 9-10 ans, tu t'as croissance. Toi, pourtant, t'étais gros. Ouais, mais moi, c'est pas pareil. Moi, j'ai comme Obélix. Moi, je vais pas manger, moi. Je vais te faire un tacos, tu vas pleurer. Ça, c'est mon secret, les gars. La sauce de Normandie. Si tu prends une pâte sauce de Normandie, ça marche pas. T'étales bien ça comme ça, mon frère. Là, tu vois, t'as pas voulu me commander un tacos, c'est pas grave. On va lui mettre sa couverture. On va lui mettre sa viande, bien généreusement, quand tu vas faire un de ses tacos. T'as peur. On va mettre les frites. Comme ça, hop. On va rajouter un fromage, deux fromages et cette sauce-là. C'est un abonné qui a voulu me pranker, mais en fait, elle est grave bonne. On va mettre comme ça un peu. T'as fait un tacos, Max, c'est le. Je crois vraiment que j'allais pas manger. Bon, mon petit, dès que je te mange, tu vas là, ok? C'est comme ça qu'il faut faire pour pas grossir. Bismillah. Incroyable. Tu peux aller là-bas, Michel, tranquille, s'il te plaît. Après un bon tacos, tu nous emmènes où là? On va acheter quelques affaires à Intersport. Regarde, frère. T'as l'entrevue là. J'ai que ça. Et tu viens avec ça? J'ai que ça. Il faut que j'achète des affaires, non? On est dans un nouveau Adidas, il est dard. Waouh! Il est incroyablement grand. Ouais, il y a grave des maillots. Pourquoi tu vas dans les enfants? Je veux acheter des cadeaux pour des enfants. Bon, je suis venu acheter des maillots pour les abonnés là. J'ai pris ça et ça. Est-ce que vous validez ou pas? Pourquoi ça et ça? Pourquoi? Ronaldo, Benzema. Et les crampons? Je pense les meilleurs crampons qui sont ici là, c'est celle-là. Celles-là, c'est les meilleures. Elles sont incroyablement belles. Et les plus nulles, c'est celle-là. Elles sont pas nulles, elles sont grave bien. Elles sont extrêmement pour tirer mal. Les coups francs, c'est grave bien. Regardez ce qu'il y a ici. Tu mets ça. Il y a des piquants. Tu mets ça, tu fais un mal derrière le talon absurde. Du coup, là, t'as refait les abonnés et toi, ton pantalon. Tu peux pas trouvé. Pourquoi? Il y avait que des trucs sautés, des trucs bizarres. Lui, il est grave difficile, c'est incroyable. Bah, tu vas continuer à mettre ce pantalon troué. Non, pas forcément. Pour le dernier repas, on va se coter la chambre de Yassine, qui a le fond qui est en bas. Et s'il crée, c'est pas grave. Ah, maintenant, sur le sac, il y a marqué Younes, donc c'est à moi. Rien faire. Dommage, vas-y, déballe ça. Et on a mon camarade, on bloque, on est bien fort, je sais pas quoi. On rentre notre ventre comme dans la vraie vie, tu rentres ton ventre. Tu peux pas, frère. Tu déballes aussi le dessert? Tout. Je fais un milkshake. Oh lolo, pose-le. Regardez ce qu'il nous a fait. T'as pire que. Ça passe hyper crème. Ouais, je crois que tu nous éteins la lumière. Yacine, on est en train de faire une vidéo. Ranez. Yacine. Quoi? Allume la lumière, on est en train de faire une vidéo. Gars Burger. Pour quels invités? Pour moi, ouais. T'es malato, quoi. Ok. Donc là, d'abord, on sait lequel a fait la crêpe. On a de gros porcs. Pensez qu'à manger. C'est toi. Reste avec nous. Quoi faire? C'est 24 heures. Je vais pas saler, faut que je saler quand même. Ah. Il est énervé parce qu'il a encore perdu. Il est nul à Fortnite mais il continue à jouer. On n'arrive pas à comprendre. Fortnite, c'est même pas un jeu. T'as vu? Frère, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Attends, bouge pas. Oh ouais, emmental, fromage, œuf. J'ai grave envie de tester le milkshake. Et d'abord, teste la crêpe au moins, un big crow. Je sais pas, c'est grave chaud là. Vas-y, go. Ah, fais comme moi. Alors, copieuse. T'as envie de tester le milkshake, hein, c'est ça ton problème. Elle va même pas manger la crêpe, on va taper. Vas-y, bah tape le milkshake si t'as envie de le taper. Les trucs dans la bouche. Eh, ouvre le capuchon au moins. Elle a passé sa meilleure journée de vacances. Regardez-moi cette beauté. Alors là, un milkshake, ça s'inspire. Ça s'inspire bien comme il faut. Bismillah. Du bon sucre. C'est trop bon, c'est meilleur qu'une glace. Vraiment? On va découvrir le Big Burger. Oh là 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 là, vraiment pas mal. Là, je l'ai jamais testé de ma vie. En fait, à l'intérieur, ils ont mis du poulet. Oh. Wow.
Clique sur l'écran, clique sur le burger. Comme ça fait le focus. Nous, on va vous laisser là. On va juste essayer. La maladie arrive. Arrête! C'est que du sucre! Je suis malade. Allez, tu manges pas. Arrête. Vous savez, en fait, cette main-là, quand je vais prendre une, je vais prendre un tout petit peu, elle va vouloir tout prendre, tout prendre, tout prendre, tout prendre. Donc, du coup, je mange pas. Souhaitez-moi un bon réveil. Moi, je suis malade, je peux pas. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Snapchat. Du coup, tu manges quoi à la place? Je vais pas manger parce que hier, elle était tremblée. André, je suis un bon. Allez, ciao, ciao, la famille.